fourre, en fait, qui plie, puis qui parle par rapport à ta perception, par rapport au fait que finalement, en fait, une théorie de Deleuze peut vraiment la synthétiser énormément, qui dit que finalement, tout est construit d'une infinité de plis, que ce soit la matière, l'âme, le corps, tout ça. Donc, c'est pas seulement un extérieur et un intérieur, mais la chose est quelque chose de replié sur elle-même et formée d'une multitude de plis qui vont jusqu'à l'infini, finalement. Puis, plus je pense à la question du pli, il y a vraiment cette idée-là d'une relation qui s'impose, parce que finalement, le pli, c'est vraiment ces deux parties. C'est une partie repliée sur elle-même, donc ça vraiment ça implique une relation entre deux parties. Puis j'ai l'impression que métaphoriquement dans cette pièce-là, il y a cette idée-là aussi de créer des plis, que ce soit avec Hélène qui apparaît, avec la lumière, fait que c'est quelque chose que quelque chose d'humain. Tu vois, je suis un double là-dedans, là. Oui. J'ai pas d'identité propre. Là. Ah! Je suis une ombre, et les projections aussi. Son ombre. Tu es son ombre. C'est quelque chose par rapport au temps aussi qui a amené avec la vidéo, par rapport à jouer avec des repères temporels, en fait, puis changer ces repères-là au temps. Mais c'est ça, ben, puis en pensant justement par rapport à la lumière, par rapport à Hélène, par rapport à la vidéo, je me rends compte que ce qui m'intéresse vraiment, c'est finalement la relation, puis les rapports entre les corps, que ce soit entre le corps humain, entre le corps lumière, le corps vidéo. C'est vraiment ce qui m'intéresse de construire, comment organiser ça, puis qu'est-ce que ça crée dans l'espace, qu'est-ce que ça crée physiquement aussi. Fait que je me rends compte que c'est vraiment ça. Puis, donc, c'est pas l'idée de travailler avec la technologie, avec l'installation, mais plutôt d'apporter des nouveaux rapports, des nouveaux corps. Puis, cette relation-là aussi qui est immatérielle, mais aussi par l'image que ça crée, il y a vraiment quelque chose de l'immatérialité, je pense, qui est présente dans la pièce, parce que aussi le corps, finalement, se transforme, l'image du corps se transforme par l'utilisation de la lumière. Donc, il y a ça aussi qui m'intéressait beaucoup. Technique, on passe beaucoup de temps à ce que ça marche à faire des tests. Il y a toute cette partie-là. Fait que c'est ce qui m'a amené à vouloir aussi finalement continuer à travailler en studio avec rien finalement pour créer un sens corporel, que ce ne soit pas juste l'image. Assurer la partie physique. Oui, exactement. C'est ça, qui me faisait peur en fait au début. Comment arriver à ce que ces deux choses-là aient une place aussi? Oui, ça peut être une piège. Oui, exactement, mais ça, c'est vraiment quelque chose. Puis je ne sais pas si je suis dans le piège, mais en fait. On va voir, mais c'est vraiment une préoccupation qui était là pour moi depuis le début. Mais en tout cas, je pense que physiquement, moi, je suis arrivée à continuer ma recherche, en tout cas, outre les aspects techniques et tout ça. Puis je pense que c'est vraiment en allant aussi en studio dénudé. Mais on est privilégié de pouvoir offrir. Oui, c'est ça. La...